jour d'intégration d'Amandine Petit se déroule actuellement à Trouville-sur-Mer. Et Miss France 2021, Camille Serre ou encore Maëva Cook ont connu quelques petits imprévus comme les internautes ont pu le découvrir sur Instagram, le 15 juin. La vie d'Amandine Petit a complètement changé depuis le 19 décembre 2020. Ce jour-là, au Puy du Fou, elle a été élue Miss France 2021 devant des millions de Français. Par la suite, elle a enchaîné les interviews et fait quelques déplacements. Le 10 juin dernier par exemple, la jolie Normande de 23 ans était à Roland-Garros, avec Sylvie Tellier. Et depuis le 15 juin, elle vit un grand moment dans la vie d'une Miss, même si tout ne se passe pas comme prévu. Mardi 15 juin 2021, Amandine Petit a quitté Paris pour se rendre à Trouville-sur-Mer en compagnie de la directrice générale de la société Miss France. Maëva Cook, Miss France 2018, Clémence Bottineau, Miss France 2020, et Estelle Sabatier, Miss Bretagne 2012. Pour son voyage d'intégration. Pour son premier gage, Amandine Petit a dû réaliser une crêpe avec une crêpière. Bien qu'elle se soit bien débrouillée pour une première, sa crêpe était ratée comme l'a souligné Maëva Cook. Totalement perdu ce gage, peut-on l'entendre dire. Après une séance de jet ski et une baignade, la jolie rousse est de nouveau saisie de son compte Instagram. Il a dévoilé que lors de cette nouvelle activité, Estelle Sabatier s'était blessée. On peut en effet voir un gros pansement qui entoure plusieurs de ses orteils. Estelle Sabatier a laissé un doigt de pied dans l'eau, a plaisanté la jeune femme. Camille Serre n'était également pas au meilleur de sa forme. Alors que la joyeuse bande s'est rendue dans un bar ou un restaurant pour voir le match France-Allemagne hier soir. La compagne de Théo Fleury a dû rentrer dans sa chambre d'hôtel comme elle l'a expliqué, « Je n'ai pas pu voir la fin du match d'hier et faire la soirée avec les filles à cause d'une nouvelle migraine. » J'en ai marre, espérons pour elle que la nuit a effacé ses maux et qu'elle pourra profiter du reste du séjour.